Bonjour à tous, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure et on va au mausolée du dragon. La dernière vidéo c'était un carnage de boss, c'était la Bérésina, c'était le génocide un petit peu. On avait tué une grande vouivre géante, le dernier des seigneurs, Lothric avec son frère. Et eh bien maintenant on continue notre ascension sur le pic du dragon avant de poser les cendres du seigneur. On m'avait dit qu'il y avait deux endroits cachés dans le jeu qui étaient complètement optionnels et que j'en avais déjà trouvé un, c'était avec le dragon là, Oceros. Pas dans le Draxon. D'accord. Eh bien, merci à toi. Putain, c'est des mecs qui voulent le culte au Draxon. Dragon. C'est fini, oui. Un mec qui les invoque ou quoi? Boom. Voilà. Normalement qu'il y a quelque chose qui les invoquait. Bon. On va monter. Peut-être qu'on va pouvoir repartir dans la pièce. Ah non, pas du tout. Là, je crois qu'on est parti pour aller plus loin. Ce que je propose, c'est qu'on redescende finalement. Je me suis mangé un sort. Et boum. Et boum. Ok. J'ai l'impression que c'est lui qui les invoque. Alors, peut-être une connerie, hein. J'ai l'impression que c'est lui qui invoque le spectre. Que ça serait qu'une zone PVP, que ça ne m'étonnerait pas. Attention raccourci, négligence en vue. What the fuck? Ça là. Un raccourci. D'accord. C'est vrai que négligence en vue, ouais, on pourrait le négliger. On pourrait franchement négliger ce raccourci parce qu'il est pas. Il est vraiment pas capital, on va dire. Oh, mais il y a une âme ici. Âme de chevalier découragé. Ok, là on est sur le pont. Le premier qui me dit d'Avignon, je lui pète la gueule. Lance de tueur de dragon. Oh, la lance d'Ornstein. La lance d'Ornstein. Alors, attention, hein. On va faire bien attention. En particulier à... D'accord, donc toi, t'es le mec, il veut complètement... Ça l'a un petit peu amené à nous tuer. On va pas se mentir. Bon. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va récupérer des PV progressivement avec cet anneau. Essayer attaque plongeante. Ah oui, effectivement.
Ça a du mal à passer, mais quelque chose. Alors. Là, il y a. Ok, il y a un gros méchant monsieur. Ouh, il est mobile, hein. Ce truc est mobile. As fuck. Ah d'accord. Du coup je vais mourir parce qu'il y en avait un deuxième que j'ai pas vu, putain. Un troisième. Bah il s'était caché où ces mecs là? Ok. Bon bah je me suis bien fait avoir, bien joué. Bien joué, bien joué. Bon. Oh, t'es sérieux? On va aller direct le tuer. Comme ça, au moins c'est fait. On va retourner par là-bas. Et là, par contre, on va utiliser le bouclier contre cela, parce que ça me paraît plus simple. Voilà. Tout est plus simple avec un boubou. Un bouclier. Un bouclier. Qu'il ne mourrait pas. Voilà. Grand fragment de titanite. On va tuer le mec qui se trouve là parce que. On n'est pas sûr que ils viennent pas ensuite par derrière nous tuer. Déjà on pourrait probablement avoir accès au pont. Je peux contrer ces coups. Très bien. J'ai pas l'impression que je puisse t'assassiner par contre. L'objet, grand fragment de titanite, tout se passe bien. Ah, ils étaient probablement cachés là. Qu'est-ce qu'on fait? On va par là. Ça semble continuer sur les côtés. Hein. Oh. Pas de quoi visiter. Hein. Loué sur le soleil. Tireur d'élite. J'arrive pas à l'avoir. Donc il faut aller par là. Effectivement, si on voulait mettre un tireur d'élite. Qu'est-ce que ce truc? Oh, les dégâts! Allez, on se calme, on se calme. Il y a un autre dragon. Oh, dites-moi qu'il y a un autre dragon, ça serait trop classe. C'est trop classe. Il y en a un autre, mais apparemment, on pourra pas le tuer. Wouah, le machin, quoi. Ça, c'est du tank. Du bon gros tank des familles. Oh, il lâche des titanites scintillantes.
Oh, c'est génial! Never! Bon. Il y a un autre dragon. Bon. Voilà! Est-ce qu'il est plus faible? Cool. Ça va prendre du temps. Je parie que je peux la buter. Midlife! Ça c'est du tank hein. Faut pas que je fasse vers l'avant. Et là j'ai peur parce qu'en fait elle est pas très loin du vide tu vois. Donc, si elle me pousse je me fais baiser quoi. Safe. Alors, je suis sûr qu'on peut lui faire une attaque sautée hein, mais avouez c'est rigolo de la buter comme ça. Bientôt mort. Tout va bien. Oups, j'étais trop gourmand. Se mettre entre ses jambes pour essayer de toucher deux fois en fait. Dans sa tête ou je sais pas quoi là, qui me touche à chaque fois. C'est la déception. Oh là, je vais prendre cher. Et non, ce souffle de feu il jamais quoi. Elle est bientôt morte. Allez. Voilà. La petite amie des cailloux de tête. Oh là 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 là. Jackpot, motherfucker. Jackpot. Espoir.
Mon dieu, les dodongo. Ils peuvent cracher des petites flammes. Ils peuvent cracher des petites flammes. Faire attention à ces trucs-là. C'est dangereux. C'est dangereux, faut faire gaffe. Le problème c'est que j'ai pas l'arme adaptée en fait. Ouais, j'ai clairement pas l'arme adaptée, c'est super lent donc du coup. T'es pas censé t'arrêter? Ouais, voilà, merci. Non, moi. D'accord, il est pas obligé de s'arrêter, on va dire. Bon, ça drop pas forcément, donc est-ce que c'est rentable, je ne sais pas. En tout cas ça drop des Sting Sentient. Oh putain, il y en avait une autre, je l'avais pas vu. Oh mais ce coup de boule là calmé, vas-y quoi. Oh, mais putain, mais vas-y, c'est imparable quoi. Oh là 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 là. Ces trucs sont plus dangereux que cette putain de wyvern. Bon, par contre, ça drop assez facilement quand même. C'est chiant à tuer. C'est chiant à tuer. C'est chiant à tuer, mais ça drop. Et la titanite scintillante, faut quand même avouer, ça fait plaisir. Attention, sorcier. Attention, charge. Voilà comment on calme directement. Oh, il a la couronne de Volnir. Où tout ceci serait bien un endroit de serment pour protéger le bastion. Rapière de Ricard. Allez, ça c'est fait. Alors on la connaît, la rapière de Ricard. Ça fait un petit moment qu'elle est dans les Souls maintenant. Je crois même qu'elle était déjà là dans Demon Souls, pour vous dire. Comme quoi les mondes sont bien connectés entre eux. Pour vous suivre la voie du dragon, abstenez-vous de faire sonner la grande cloche. Moi je ne veux pas suivre la voie du dragon. J'en ai rien à faire. Je vais donc aller la sonner. Corkis. Au son de la cloche, rien ne subsistera. Ok. On va voir ce que ça fait, je sais pas ce que ça fait, moi je vois un interrupteur. Oh, c'est quoi ce bouton rouge? Même si on m'a dit de pas toucher au bouton rouge, hein. J'annonce, si je sais pas ce que ça fait, ça me stresse. Donc il paraît que si je fais sonner cette cloche, rien ne subsistera, tout va mourir. Que va-t-il se passer? J'ai sonné la cloche interdite. Wouhou. Normalement, je devais pas le faire. Et c'est ainsi que mourut notre héros. Ah, abasourdi, parlez. Fuck. Ouh, que ça a l'air drôle. Pas moyen par contre de libérer un feu, un truc comme ça avant. Ah. Et quand on demande, qu'est-ce qu'on obtient? Eh ben un feu. C'est normal, je l'avais demandé gentiment. On va au sanctuaire de Lucheux pour dépenser ses âmes. Puis on va prendre le grand pont bien menaçant pour savoir ce qui est au bout, forcément. Alors, rien ne subsistera. Encore de l'endurance. Le but c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir une grosse barre verte
de pouvoir taper, pourquoi pas, 4 fois. Et pour l'instant, ce n'est pas gagné. Alors, on a 33 000 âmes, on va les dépenser, bien évidemment, chez la marchande qui va nous permettre d'acheter des armures tout à fait magnifiques. Alors, je crois que j'ai pas les gants d'assassin. Oh, je vérifie. Bois le retour bureau! Ceci ne veut rien dire. Le retour bureau des ténèbres. Faudra acheter des stacks de zurto. Bah après, on aura bien acheté quoi. Allez. Alors je vais pas utiliser ma tablette de Titanic comme je vous l'ai dit. Oh là, ça va me saouler si ça fait des retours au bureau comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, eh, vous voyez les deux... Moi, je suis sûr que c'est parce qu'il y a Skype. Alors, clairement, Skype dégage. Ça, ça dégage. Et voilà. Si jamais c'est Skype qui me fait des retours au bureau comme ça, franchement, je vais pas être très très content. Alors... On peut continuer par là. Ce qui me paraît plus être le boss en fait de la zone plutôt que là-bas. À mon avis, là-bas c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y aurait deux boss ici. Hein, probablement. Attends, mais c'est complètement la merde en fait. C'est tombé alors. Oh, trois des trois. Attendez, attendez un petit peu là. Ouah, le mec, c'est Zeus sur un putain de corbeau géant! Attention, on va pas se faire écraser, what? Oh la classe! Wouhou! J'avais fait super mal et là je fais plus rien. Je pense que c'est parce que j'attaque pas la tête. Alors attention, ça fait mal. On l'a vu. Oh! Ok. Ok. Je pouvais pas savoir qu'il allait cracher des flammes comme ça. Donc clairement, il y a no match pour le moment. Bon, je m'en doutais un petit peu qu'il aurait une attaque comme ça quand même. Pour être tout à fait honnête. Ah, je vois des items, mais ils sont en dessous. Donc, je ne comprends pas la connaissance. Alors, il va avec une braise. Je pense que je peux le battre, à moins qu'il ait une deuxième forme. Il est excellent celui-là par contre. Hein. Regardez-moi ça. Oh la... Oh là 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 là, la classe. Oh, tu pues la classe. Tu pues la classe. Oh là là là. Blouah. Genre.
D'accord, d'accord. En fait, je fais vachement mal quand je touche la tête du dragon. Attention, quand j'ai des flammes. Je vais tuer le dragon, je vais pas tuer le mec. Assassinat. Alors tu vas faire quoi sans ton dragon là? Bah je vais te combattre à pied, fils de pute. Oh. T'es pas deck que j'ai tué ta bestiole? Je vais te montrer ma transformation en Super Saiyajin 2. Ok. Ouais. Alors là, par contre, j'ai pas vraiment eu le temps. Bon, ça, il a l'air lent. Il a l'air lent, donc ça va encore. Par contre, il faut que je retue sa wyvern. Si je dois retuer sa wyvern, ça, c'est chiant. J'imagine que ouais, bah ouais, je vais retuer sa wyvern. Ah putain. Boss en deux phases. Pas si dur que ça. Oh, il va cracher des flammes direct. Ok. Ça ne nous atteint pas, mon seigneur. Oh merde, je l'ai raté avec mon coup puissant. Oh putain, oh le combat de manchot. Par contre là, est-ce que par hasard il y aurait pas un bug? Oh putain, je peux directement toucher lui? Vous voyez? Apparemment oui. Oh. C'était juste pour décaler. Et voilà. Et une wyvern en moins dans ce monde.
Ok, deuxième forme. Sans nom qui s'appelle. Le roi sans nom qui s'appelle. Oh la vache, la rapidité. Et voilà. Alors, c'est qui le patron? Allez, deux vidéos, trois boss. Allez, ça c'est fait. Je vais noter ça dans mon Pokédex. Là-bas. Et je vais envoyer un petit courrier aux éditeurs pour leur demander de d'augmenter la difficulté de Dark Souls, s'il vous plaît. Parce que, en fait, là c'est trop... Non, je rigole, je rigole. Il est assez facile... Il est assez facile en fait, mais faut quand même éviter de se prendre ces grosses attaques quoi. Faut éviter de se prendre ces grosses attaques. J'étais quand même en. J'ai quand même failli mourir. Hein. Mais bon, je l'ai réussi du deuxième coup. Deuxième, troisième coup. Troisième coup, je crois. Oui, troisième coup. Et voilà. Mac, et c'est tout beau maintenant. Le pont est revenu. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit tour à Lichefeu. Après, on ira visiter un peu la zone à côté. Alors. Easy Money. Oh, du coup, ouais. On peut en apprendre plus sur lui. Couronne d'un roi sans nom alliée aux dragons anciens. Cette couronne dorée ensevelie sous les cendres en ressemblait fortement à celle du premier seigneur. Armure en écailles de dragon portée par un roi sans nom allié aux dragons. Tranchante comme les radars, les dragons ne peuvent pas être brûlés. J'imagine la résistance au feu, ouais. Probablement. Feu, 13,3, c'est la plus grosse des résistances. Ressemblait fortement au premier seigneur. Vous êtes en train de dire que, en fait, le premier seigneur... Ah, c'était Gwen, le premier seigneur du feu, non? Bon. Pourquoi est-ce qu'on a une qui miaule comme ça? Bon. J'ai des chats qui sont en mode « Oh mon dieu, des mouches !» Alors... J'ai réussi, loué soit le soleil. J'avoue, par contre, loué soit le soleil, il est bien choisi parce que... J'avais quand même amené les ténèbres. Une braise. C'est cool. On est où là par rapport au château? On est en dessous, c'est ça? On va visiter un petit peu les endroits. Avant de finir cette vidéo, on n'essaiera pas d'aller rencontrer notre boss. Si jamais il y en a un autre. Alors sinon vous prenez pas la tête quand j'ai dit ouais il faut mieux d'augmenter la difficulté de ce Dark Souls, et c'est vrai qu'au début je disais qu'il était plus facile.
Je pense que c'est plutôt le gameplay qui m'avantage. Moi qui suis un joueur assez agressif, et c'est vrai que j'en ai discuté avec des alliés, avec des amis tout simplement. Et j'avais dit, bon bah je le trouve plus facile, je sais pas si c'est moi ou le jeu, mais voilà quoi. On m'a dit, oui mais vu que t'es quelqu'un qui à la base préfère attaquer que se défendre, bon bah peut-être que ça joue, tu vois. Trésor droit devant. Le problème c'est que... ça ne peut pas passer. Et donc du coup, je blague quand je dis qu'il faut augmenter la difficulté de Dark Souls 3. La difficulté est plutôt bien dosée, ça va encore. Il y a des passages qui sont beaucoup plus chauds que d'autres. Oh, c'est Havel ? Oh, c'est Havel ! Ils l'ont mis dans celui-là aussi. Ils l'ont mis aussi dans celui-là. Et on m'avait demandé il n'y a pas très longtemps... si oui ou non j'avais rencontré Havel de nouveau. Je l'avais pas encore rencontré. Ouh. Allez. Le mec c'est de la pierre hein. Le gars son armure fait qu'il est très résistant quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait un drôle de bruit, cœur. Je sais pas où tu l'as tapé, mais. Non, mais là, tu as dû taper les poumons, les côtes. C'est pas grave, si jamais tu. T'es débile quand tu fais des réflexions comme ça. Qui me suit, monsieur. Il peut pas se protéger. Oh, genre, ça va pas fonctionner. Alors, si il me tue maintenant, ça va me dégoûter. Ah. Non! Oh putain, il lui est resté que d'un en PV. Ah putain, tout ça parce que je m'inquiétais pour boucher. J'ai voulu vite finir. Bon. On va y retourner, il est pas dur. Il est pas dur. J'ai juste été un peu distrait, donc du coup forcément je me suis fait avoir. On va pas le tuer, dans le monde. Allez, dépêche-toi. Oh, putain, je m'en doutais qu'il allait me taper quand même. Alors du coup il risque de nous donner son anneau. Ah putain.
putain. Cette fois, il est au courant que j'arrive. Allez, on y va. Mais putain, mais dès qu'il me tape, en fait, ça me stun. Du coup, il peut m'enchaîner un deuxième coup, quoi. Si on tape comme ça, on le pourra. J'ai l'impression qu'il perd, son envie quand même. Ah, il est stun. On peut le stunner, Alors, du coup, j'ai l'impression que c'est quand même une mauvaise idée, mais bon. Ça augmente sa... son équilibre, ça. Non mais sérieux. Mais putain, ça fait deux fois quoi, 50 PV. Vas-y, on va y retourner. Ah, je sais pas, quand je le vois avec plus de PV, je fais une connerie et du coup... mais c'est bâtard parce que des fois, il peut t'enchaîner deux coups et tu peux absolument rien faire. Bon, par contre, ça sert à rien d'avoir ça. Je vais plutôt prendre... ce qui me permet en fait, il est où, voilà, l'anneau qui fait baisser la perte de constitution. En fait, je vais lui, tout simplement lui saper sa constitution. Comme ça, en fait, quand je vais le frapper, il va perdre plus facilement Allez, ah oh, putain, ils sont casse-couilles ces ennemis là. Surtout quand t'as envie de te dépêcher. Parce que bah ça fait déjà 43 minutes de vidéo, j'aimerais juste tuer Havel. Ah, et t'as l'autre qui me tire dessus, des boules de feu là, il est content. C'est le feu bien téléguidé, tu vois, qui te suit vachement. Bon. Si dès le départ je fais des erreurs comme ça, tu m'étonnes qu'il me bute. Je vais... utiliser, c'est pas du tout ce que je voulais utiliser. Je vais utiliser une braise. Le fait de, lui faire perdre sa constitution, ça va me permettre, voilà, de faire ça et d'espérer en fait l'enchaîner. En plus, si je l'empêche d'avoir son sort, moi ça m'arrange. Ah putain, c'est toi, il a réussi à avoir son sort. Havel aussi, hein, c'est un personnage qui est vachement récurrent. Ah, ça augmente l'équilibre, faut vraiment que je fasse gaffe. Là, à mon avis, c'est bon, je peux le stun maintenant. Je peux le frapper. On va concentrer une attaque puissante. Oh, lui aussi. Non, 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 non. Et vous avez vu, j'ai encore failli me faire avoir. Si j'avais pas eu de braise, je me faisais avoir. Voilà, c'est bon, je l'ai enfin tué. Pas compliqué, mais je sais pas, je buguais contre lui. C'est pas le jeu qui buguait ou quoi que ce soit, hein. C'est juste une façon de dire que bah. Je sais pas, c'était Havel, du coup je suis galéré. Moi j'imagine que son set d'armure est maintenant disponible chez, chez la sorcière là. Bon, ce que je vous propose, c'est je m'arrête là
Et puis on se rejoint la prochaine fois. Voilà, je vais faire ça le temps tout simplement de lancer une autre vidéo. Sur ce, portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à plus.